Chers amis, bonjour et joyeuse Pâques, parce que c'est toujours Pâques. Bienvenue en cette célébration du deuxième dimanche de Pâques. Il me semble que dimanche dernier, on était un petit peu plus nombreux, hein? Ça se peut-tu? Donc imaginez-vous, cette semaine, on est passé de 250 à 25, hein? 10 fois moins, voilà, donc... Comment la situation a changé rapidement. Donc, encore une fois, cette semaine, nous retrouvons la situation avant Pâques. Au moins, on a pu profiter. On a pu profiter pendant la Semaine Sainte et aussi pendant la Semaine Sainte. Et encore une fois, ce dimanche, nous avons justement cette mission, ce rôle très difficile. Nous sommes devant la porte de nos églises et on dit aux gens que c'est complet et qu'on doit refuser les gens. Je pense que c'est ce qu'on trouve le plus difficile dans tout ça. Donc, aujourd'hui, nous qui avons la chance d'être en présentiel dans nos églises, pensons spécialement à nos paroissiens qui n'ont pas eu la chance aujourd'hui d'être avec nous, prier, célébrer, d'être réunis pour célébrer la Pâque de Jésus. Chers amis, toujours dans cette joie de Pâques, nous sommes rassemblés ici, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du Christ est ressuscité, l'amour éternel du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Les portes de notre cœur et de notre vie sont peut-être verrouillées par la peur, par la tristesse, par le doute. Laissons le souffle de Dieu les ouvrir à la paix du ressuscité, et implorons avec confiance la miséricorde divine. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples enfermés dans le doute, tu as ouvert leurs yeux. Viens ouvrir les nôtres qui ne savent pas te voir et prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de la paix que tu as fait à ceux et celles qui t'ont suivi, tu as calmé leurs esprits agités par la peur de la mort. Viens aujourd'hui apaiser nos cœurs troublés et prends pitié de nous. Seigneur, par le souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur vie du néant, du désespoir. Viens nous sortir à notre tour des ténèbres du péché et prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions avec confiance. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir maintenant pour écouter. Nous saluons aussi tous ceux et celles qui se sont joués à nous par l'Internet, sur notre page Facebook. Je vois déjà à peu près une trentaine de personnes qui sont en communion avec nous par Internet. Comme c'est le temps pascal, nous lisons présentement donc le passage du livre des Actes des Apôtres. Comme vous savez, c'est la suite de l'Évangile selon saint Luc. Donc évidemment, on parle de la résurrection. La résurrection, c'est un mode de vie et c'est un art de vivre. La première communauté chrétienne
en fournit justement la démonstration, comment la résurrection de Jésus l'a transformé, l'a changé. La jeune communauté chrétienne vit unie, jusqu'au plan économique et financier, oui, jusque-là. Et on sait pourtant combien l'argent peut être un facteur de division. C'est vrai? C'est pas long que justement on ait des chicanes à cause de l'argent. On se rappelle aussi, il n'y a pas si longtemps, que c'est pour l'argent que l'un des douze avait quitté le groupe et régné le maître. Écoutons. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande abondance reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit, c'est la vérité. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées, il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous vécu une belle semaine de Pâques? J'espère que oui. Bon, c'est sûr qu'il y a eu du beau temps, et en même temps aussi, on essaie toujours de rester le plus longtemps possible par cette joie de Pâques. Donc, vous savez concrètement, sur le plan liturgique, on s'est donné toute une semaine, on s'est donné 8 jours, octave de Pâques, pour célébrer, parce qu'on sait que la fête est tellement grande, tellement importante, qu'on ne peut pas la célébrer en une seule journée. Voilà, donc j'espère que vous avez profité de cette belle semaine de Pâques. Il y a eu des choses incroyables qui se sont passées. Il y avait même un miracle qui s'est produit, parce que qui aurait cru que cette année, aux messes de Pâques, à la semaine de Pâques, il y aurait plus de monde que les assistants au match du Canadien de Montréal. Hein? Qui aurait cru, hein, qu'on serait plus nombreux? Et voilà, c'est ce qui est arrivé, mais évidemment à cause de la pandémie. Là. Mais voilà, il y a des choses incroyables qui se sont passées. J'espère que vous avez eu aussi, que vous avez eu la chance de témoigner de votre foi en la résurrection. J'espère que vous l'avez dit au moins à une personne que Jésus est ressuscité. Alléluia, j'espère que vous l'avez dit. Je ne sais pas de quoi qu'on vous a traité après avoir dit que Jésus est ressuscité. Peut-être qu'ils vous ont dit que vous êtes complètement fou,
Peut-être qu'ils vous ont dit que c'est un fake news, que c'est pas vrai, que ça a été inventé. C'est sûr que dimanche de Pâques, ça va beaucoup plus loin, ça va au-delà parfois de l'aspect commercial, des chocolats, des œufs de Pâques et tout ça. C'est une fête quand même très, très sérieuse. Évidemment, on aborde ici la question de la résurrection. Et on ne peut pas aborder la question de la résurrection sans d'abord aborder la question de la mort. Il faut d'abord l'assumer, il faut d'abord accepter que la mort fait partie de notre vie. Donc la résurrection, je pense que ça n'a jamais été un sujet facile à aborder, à traiter, à comprendre. Nous sommes toujours devant les mystères de la résurrection. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que dans la culture d'aujourd'hui, dans la culture générale, la résurrection est très loin d'être bien saisie. Il y a encore la confusion totale pour voir quelle est la différence entre la résurrection, la réincarnation, la réanimation. Est-ce que Jésus est réanimé à la vie? Est-ce que Jésus s'est réincarné? Est-ce que Jésus est ressuscité? Si on faisait un petit sondage, si on demandait aux internautes, hein, imaginez-vous là, si on ramassait tous les commentaires de l'Internet là-dessus, on aurait, je pense, que toutes les réponses possibles. Non, la réincarnation fait partie encore de croyances, même beaucoup de catholiques. Hein. Donc, la résurrection se trouve au cœur de notre foi. Nous nous retrouvons une semaine après le dimanche de Pâques. Et vous savez que justement, c'est à Pâques, le dimanche de Pâques, que l'Église prend son rythme vital. C'est quoi le rythme vital de l'Église? C'est la messe dominicale. On se retrouve ici à chaque dimanche, au bout de 7 jours, on se retrouve toujours ici, et c'est là que le Seigneur se manifeste à nous, de dimanche en dimanche. Il vient nous rejoindre, il vient nous retrouver, de notre regroupement de pécheurs. J'espère que vous n'êtes pas surpris quand je vous dis ça, de notre regroupement de pécheurs, parce que tant que je sache, on n'est pas parfait. De notre regroupement de pécheurs, Jésus fait chaque dimanche des assemblées, pardonnées, recréées et animées par l'Esprit Saint. Vous savez que Jean-Paul II a déclaré ce deuxième dimanche de Pâques, c'est aussi le dimanche de la miséricorde divine. Nous regardons aujourd'hui justement l'icône de Jésus miséricordieux, Jésus, j'ai confiance en toi. Donc oui, en même temps, les apôtres ont reçu le don de l'Esprit justement pour pardonner les péchés. On sait que c'est pas toujours évident aujourd'hui, le mot péché ne fait plus partie de notre vocabulaire. On connaît tous les mots de la sacristie, mais on ne veut plus rien savoir du péché. C'est comme s'il n'existait plus. Donc aujourd'hui, Jésus prend l'initiative de venir au milieu de ses disciples. Les disciples ont l'air de quoi? Les disciples ont peur. Les disciples sont paralysés. Je ne sais pas s'ils ont peur parce que c'est un regroupement illégal. Je ne sais pas si c'est un rassemblement illégal dans la maison. Ils ont peur peut-être d'être pognés. Peut-être qu'ils sont déjà après le couvre-feu. Non, Jésus va prendre l'initiative de rejoindre les disciples qui ont des cœurs à la fois déçus, fermés, blessés. Les portes sont verrouillées. En ce temps-ci, un petit peu comme nos églises, quand on était confinés, les portes sont bien verrouillées. Mais il n'y a rien qui va empêcher Jésus de nous rejoindre là où nous sommes. Les portes sont closes, mais les cœurs sont fermés par la peur, par la déception. La peur, vous savez, est toujours paralysante. Quand on a peur, on n'avance pas. La peur est toujours paralysante. La déception est une souffrance profonde qui ferme le cœur. Vous, aujourd'hui, en ces dimanches, vous êtes déçus de quoi? Est-ce que vous avez toujours peur? De quoi qu'on a l'air aujourd'hui en ce deuxième dimanche de Pâques? Et c'est là, justement, que Jésus veut nous rejoindre, là où nous sommes rendus présentement dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle de cœurs de disciples qui sont déçus, sont fermés, sont blessés aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand l'évangéliste nous raconte l'apparition du ressuscité,
on nous dit clairement, on met quand même l'accent sur le détail, on voit les blessures, on voit ces blessures de la passion. Regardez mes mains, mon côté. On se dit, Jésus, une fois ressuscité, il aurait pu oublier ce qui lui est arrivé. Il aurait pu oublier la passion, la croix, bon, ça y est, la vie est belle, il est ressuscité, on ne revient plus dans le passé, on oublie ce qui nous est arrivé. On veut souvent oublier, justement, ce qui nous est arrivé dans le passé. Le récit nous dit clairement, les blessures sont bien vivantes, son côté, ses mains. Pourquoi le corps du ressuscité a encore des blessures? Pourquoi? C'est une bonne question, hein? Je pense que c'est plus important pour nous que pour Jésus. C'est un message qui nous a laissé justement pour que nous aussi, nous n'avons pas besoin de cacher nos blessures. Ça se peut-tu que dans notre vie, nous avons des blessures? On est blessé par nos relations, par nos amours déçus. Oui, et souvent, on a honte, on a peur, on ne veut pas en parler, on veut les cacher. Jésus nous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vos blessures. Elles font partie de votre vie. Justement, c'est là que je veux vous rejoindre. Je veux vous ramener à la vie à travers vos morts, à travers vos blessures. Oui, le corps du ressuscité, bel et bien, les blessures sont bien visibles. Ensuite, on met aussi en évidence le fait que la foi des apôtres n'a pas été facile. Si vous croyez que pour les apôtres, y compris Thomas, que ça a été facile, pas du tout. La foi en la résurrection, ça a été tout un défi, ça a été tout un cheminement. La foi des apôtres n'a jamais été facile. Personne n'est forcé par l'évidence. Ça, vous le savez, hein? Personne n'est forcé par l'évidence. La foi est toujours une libre adhésion. C'est un peu triste à constater que dans l'histoire, ça n'a pas été toujours le cas. On n'a pas été toujours libre de croire. Parfois, on faisait partie de l'Église, justement, qui s'imposait. Hein? On n'avait pas nécessairement toujours le choix. On a découvert l'essentiel, et l'essentiel, c'est la liberté. On doit être toujours libre de croire. Il n'y a personne qui peut nous forcer de croire. Quand on commence à nous forcer de croire, ça va mal. Et ça donne ce que ça donne. Notre ami Thomas, il a eu des difficultés à croire. Tout à fait. Heureusement que les évangélistes n'ont jamais voulu cacher le fait que Thomas a eu des difficultés à croire. Comme nous aussi, aujourd'hui, ce matin, nous avons nos difficultés à croire. Si ce matin, on avait la chance de partager aujourd'hui nos difficultés à croire, si chacun de nous pouvait, justement, je pense qu'on passerait la journée entière à partager sur nos difficultés, sur nos doutes, etc. Qu'est-ce qu'on trouve difficile dans la foi? Il y a plusieurs personnes qui nous disent « La foi est rendue bien compliquée. » Et bien compliqué, il y a tellement des affaires. Ça serait tellement facile de dire, bon, je crois en Dieu ou je crois en Jésus, bien, c'est fini, c'est réglé, ça serait simple. Mais l'Église nous impose tant des aspects différents de la foi. Et en même temps, on nous complique la vie avec la Trinité, Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. On nous force de croire en l'Église. On nous dit qu'il faut croire aussi au pardon, la résurrection de la chair. Et bon, c'est bien trop compliqué. C'est sûr que la foi est complexe, comme notre vie aussi est complexe. La foi, justement, englobe tous ces aspects de la vie, hein, le fait qu'on fait partie de la communauté. Aujourd'hui, on voudrait avoir une version light, une version légère de la foi. Aujourd'hui, on n'aime pas ça les affaires compliquées. Mais dans la vie, ce n'est pas toujours comme ça. La vie est souvent plus complexe qu'on pense. Donc, nous avons, chers amis, nous aussi, nos difficultés à croire. Et n'ayons pas honte de le dire. Ces difficultés font partie de notre vie des fois. Nos questionnements, nos doutes. Comme Thomas, on se pose des questions. On a parfois de la misère à croire ce que la communauté nous dit. On n'est pas rendu là. On n'a pas cheminé avec la même vitesse que la communauté, que les autres. Aujourd'hui, vous savez, notre époque, la culture d'aujourd'hui,
on est rendu très, très intellectuel. On vit dans une époque scientifique. Et souvent, nos difficultés sont d'ordre, justement, intellectuel. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la foi, notre foi, s'exprime souvent dans les représentations naïves. Hein? Exemple, quand on parle du ciel et de l'enfer. Est-ce que le ciel est en haut? Est-ce que l'enfer est en bas? Évidemment, c'est très symbolique. Il y a encore des gens qui vont nous dire « Ah, vous croyez encore que le monde a été créé en 6 jours? » Il n'y a personne qui croit aujourd'hui que la création s'est faite en 6 jours. C'est symbolique. Les récits de la création, ce sont des récits théologiques. Hein? Ce n'est pas scientifique. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on rit de nous. On rit de nous, et justement, à cause de cela, on a l'impression que nous, les croyants, on nous met constamment sur la défensive. Défensive parce que la foi a encore des représentations naïves que la science a éventrées. Donc, la science vient mettre à mal des représentations provisoires de la foi. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui comme croyants. D'où l'importance constamment, justement, d'approfondir ma foi, de la clarifier, d'aller plus loin, de chercher à comprendre. La foi, ce n'est pas la science. La foi est toujours, de l'ordre du cœur et de l'expérience. Jésus vient rejoindre les apôtres dans un cœur qui cherche et qui doute. Regardez ce qu'il fait pour Thomas. On a l'impression que la deuxième fois, il se présente juste pour Thomas. Directement, il vient de dire, regarde Thomas là, je viens pour toi, tu peux me toucher. On ne sait même pas s'il a fini par le toucher. Mais il va rejoindre Thomas dans un cœur qui cherche et qui doute. Et Jésus est bien conscient de cela. Pâques est une victoire sur l'incrédulité. Et depuis que Jésus est ressuscité, nous n'avons plus besoin de voir son visage, d'entendre sa voix, d'être témoin de ses miracles. Jésus, il se montre autrement. Il nous parle autrement. Il fait d'autres miracles. Quand nous écoutons proclamer la parole de Dieu dans nos célébrations, c'est lui-même qui nous parle. Croyez-vous à ça? C'est lui-même qui nous parle quand nous proclamons la parole de Dieu. Quand nous participons à l'Eucharistie, en tout cas, quand on a la chance de faire partie de 25 personnes chanceuses, quand nous participons à l'Eucharistie, le Christ ressuscité est avec nous. Croyez-vous? Il est avec nous. Quand nous sommes réunis en son nom, quand nous voyons des personnes s'aimer, s'entraider, se pardonner, c'est lui qui aime et qui pardonne. Quand nous sommes proches des malades, des pauvres, nous sommes proches de Jésus. Quand nous sommes réunis en son nom comme maintenant, il est bien présent au milieu de nous. Chers amis, durant cette célébration, laissons-nous envahir par la paix et la joie des Pâques. C'est le plus beau cadeau que Jésus veut nous offrir aujourd'hui. Laissons-nous envahir par la paix et la joie des Pâques. Ne verrouillons plus les portes de notre communauté, de nos cœurs. Laissons le Seigneur nous rejoindre et nous apporter sa paix, son esprit de vie et de vérité. Amen.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ ressuscité souffle sur ses disciples et leur fait le don de sa paix. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce don merveilleux et que notre monde en soit transformé. Écoutez-nous, Dieu vivant. Le Seigneur veille sur notre monde qu'il aime tant. Que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. Écoutez-nous, Dieu vivant. L'Église est présente aux quatre coins du monde. Que par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Écoute-nous, Dieu vivant. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations. Que l'Esprit vivifiant rende fécond leurs efforts. Écoute-nous, Dieu vivant. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église. Que leurs paroles soient davantage entendues et leurs rapports reconnus. Écoute-nous, Dieu vivant. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques. Que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile. Écoute-nous, Dieu vivant. Dieu, le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous ne faisons pas vous, te supplions, Seigneur, à nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce. Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La messe d'aujourd'hui, la messe de 10h à l'église Saint-Pédis, nous prions ensemble pour Armande et Mont Tremblay en ce premier anniversaire. Nous prions aussi pour Edwige Touré et nous prions aussi pour Pedro Ibaceta. Seigneur, accueille avec bonté les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et les baptêmes, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, et par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pédis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples dérachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur
et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis maintenant dans le même esprit, dans la même foi, nous pouvons dire avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Échangeant entre nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Bonsoir. D'abord, un petit message à ceux et celles qui nous suivent par Internet. Donc, les personnes qui n'ont pas pu justement entrer parce qu'il n'y avait plus de place dans l'église ou pour des raisons aussi de santé, des personnes qui ne peuvent pas se joindre à nous pour la messe. Tout de suite après la célébration et jusqu'à à peu près 11h30, il y aura la possibilité de recevoir la communion. Donc, au moins, il y a ça qu'on peut offrir aux gens. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous préparer. Ceux qui voudraient se rendre à l'église Saint-Pédis jusqu'à 11h30. Sinon, vous pouvez aussi le faire après la messe de 11h30 à l'église Saint-Martin. Ça veut dire à peu près jusqu'à entre midi et demi et 13h. Nous serons à l'église pour vous accueillir, pour donner la communion aux paroissiens qui voudraient recevoir la communion. C'est le dimanche de la miséricorde divine. Cet après-midi, il y aura un court temps d'adoration et de prière devant le Saint-Sacrement. Nous serons à l'église Saint-Martin entre 14h30 et 15h. Et ensuite, nous allons terminer avec le chapelet de la miséricorde. C'est sûr qu'en ce temps-ci, on est tellement mal pris justement avec ce genre d'invitation parce qu'évidemment, les places sont très, très limitées. On reste toujours, chaque rassemblement, c'est toujours 25 personnes. C'est pour ça que je me demande toujours, est-ce qu'on fait une grosse publicité ou pas? En tout cas, le temps d'adoration sera diffusé aussi sur notre page Facebook pour ceux qui voudraient se joindre à nous et prier.
entre 14h30 et 15h à l'église Saint-Martin. Donc, je reviens encore brièvement sur le changement qui sont arrivés cette semaine. En espace d'une semaine, on est passé de 250 à l'église à 25, 10 fois moins. 10 fois moins, ça change vite. Évidemment, aussi la situation sanitaire, la pandémie, tout ça, ça change assez rapidement. On a de la misère à suivre tout ça. On a de la misère aussi à s'ajuster en si peu de temps. On comprend parfaitement que même vous, les paroissiens, vous avez de la misère à suivre tout ça, voir clair, on est rendu où, quelles sont les consignes actuellement, et tout ça. Donc, suggestion très importante, chaque fois qu'avant de vous déplacer à l'église, informez-vous, allez-y sur le site Internet, sur la page Facebook ou appelez au bureau, sur la boîte vocale justement de la paroisse, il y a des informations là-dessus. Parce que parfois, ça change tellement vite. Même quand je prépare mon séménier, une journée après, tout peut changer. Donc, c'est pour ça qu'on suit ça de près. Si j'ai bien compris, les consignes actuelles sont valables, je pense, que jusqu'au dimanche prochain, jusqu'au dimanche le 18, si j'ai bien compris. Mais on ne sait pas trop la limite des 25 personnes. Est-ce que ça va durer longtemps? Oui, non, difficile à savoir. Donc, essayons toujours d'être bien informés. Bien informés, c'est sûr que ça change la donne. Donc voilà, et encore une fois, merci beaucoup de votre soutien financier pour la paroisse. Au moins, on a pu profiter. On a pu profiter pour le dimanche des Rameaux, la semaine sainte, et aussi pour le dimanche des Pâques. Et voilà, maintenant, ça va être beaucoup plus tranquille. Évidemment, les autres moments, les autres célébrations qu'on attend toujours depuis l'an passé, toute la première communion, confirmation, les mariages, les baptêmes, tout ça c'est encore en suspens. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir, parce qu'évidemment la santé publique nous décourage fortement tous les rassemblements festifs qui ne sont pas recommandés. Voilà, levons-nous maintenant pour notre dernière prière, pour la bénédiction et la communion qui va suivre tout de suite après. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions que les mystères pascals accueillis dans cette communion ne cessent jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. C'était la bonne réponse. Merci.